De trucs. Donc, objectif final, ce serait faire le dresseur. Et à poil avant ça, ce serait faire le gun légendaire. Mais j'ai pas ce qu'il faut. Donc, il va falloir farm. Il va falloir XP. Je sais déjà où. J'ai fait 2-3 sphères. Je sais pas si ça va suffire. Plus de farine. Et j'ai fait des œufs. Sauf que ces œufs-là. Je ne sais pas ce qu'ils vont donner. J'ai cumulé les pales les plus. Pas les plus hauts niveaux, mais. Dans le pal deck qui sont. Au numéro le plus haut, quoi. Et j'essaie de faire des trucs. À côté de ça, on va se faire une monture aussi. Donc cette fois-ci, on sait exactement ce sera quoi. Il va falloir qu'elle ait de la speed. Donc au moins 2 trucs en speed et peut-être 2 trucs en attaque pour que ce soit un peu opti. Il me fallait de la farine. Et du coup, on va voir ça. Et j'ai installé des mods. Voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais montrer ça vite fait. Sauf un, parce que va falloir redémarrer le jeu. Enfin, redémarrer. Aller au menu, c'est un peu relou. Ah, mais en vrai, je l'utiliserai tellement comme Valheim en fait. Le mode première personne que j'utilisais des fois. Et quand je dis des fois, c'est en perma. Genre là, je rentre dans un truc que je me mets en première personne, tu vois. À chaque fois, je l'utilisais, je l'enlevais. Mais là, malheureusement, on peut pas faire ça encore. Donc, en espérant une mise à jour très vite. Parce que c'est stylé, hein, mais c'est pas trop pratique, quoi. Donc, alors, en termes de mode, déjà, en haut à gauche, on voit une minimap. Donc c'est une minimap, voilà, ni plus ni moins. On a, je l'avais déjà montré, mais ça c'était le mode pour enlever le HUD. On a un mode première personne que je vais pas activer. On a les IV des pals. Donc là par exemple on voit 21, 48, 17. Donc ça va de 1 à 100. C'est les stats cachées quoi. Et la différence de 1 à 100, c'est 30% si je me souviens bien. 30% d'attaque par exemple. Du coup, pourquoi pas? Donc, lui, il avait 43, c'est pas ouf. Le poulet était pas mal. 79. Lui, 52, pas ouf. Sachant qu'en défense, il a 4. Mais c'est juste des petits bonus quoi. Si tu veux le truc parfait par exemple. 75, waouh. Ah, il est ok lui, hein. Et du coup, on va essayer de voir ça. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on avait un mode pour voir. C'était avec Alt, je crois. Voilà, pour voir les compétences, passifs, les stats, pour voir tout. Alors, à savoir que ça marche surtout quand on a capturé les 10. Les 10 premiers. Si on est à, on va dire, entre 1 et 5, je crois qu'on voit. Pas les compétences. Et 5 et 10, on voit pas les compétences passives. Donc il en faut 10 quoi pour que ce soit opti. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu ce qu'ils ont sans les capturer. Ensuite, on a un mode qui permet aux pals de venir manger et de manger jusqu'à ce qu'ils n'aient plus faim. Simplement. Parce que souvent ils repartaient en étant encore à moitié quasiment. Donc là, on voit qu'ils sont bien rassasiés pour la plupart. Mode nourriture d'ailleurs, où il n'y a plus de decay au niveau des aliments. Voilà. Et à côté de ça, je crois que c'est à peu près tout. Non, il y a le marchand de pals qui en vend beaucoup plus. Mais j'ai absolument pas l'argent de toute façon. Et au fait, colporteur. Fais voir vite fait, est-ce qu'il a des fluides? Ah, alors ça, c'est terrible. Je pense que ça change selon le vendeur, non? Il me semble. Faudrait que j'en ai un autre. Ouais, sinon en mode, je crois que c'est bon, hein. Pas de nourriture, nourriture decay. Minimap, HUD première personne, ça fait 5. IV.
Stats visibles, ça fait 7. J'en avais une dizaine. T'as lequel j'ai raté? J'en avais 3. 3 en plus. Et je sais plus, là comme ça. Ah oui, c'est vrai, durabilité. J'ai boost la durabilité parce que perdre ma truc légendaire là en un combat, c'était terrible. Du coup, j'espère qu'elle va durer un peu plus longtemps. J'aurais aimé mettre la durabilité normale pour les armes. Et il booste juste celle des protections. Parce que je suis en dégâts x5. Malheureusement, ça marche pas vraiment. Faudrait que je fasse plus de recherches. Et voilà, à peu près. Plus ou moins. Alors, on va faire ça. On va se mettre à ouvrir des œufs. Donc, en 9, on a 5 E. En fait, j'ai croisé, grosso modo, mon Anubis boosté et un c'est quoi, Foxicle? Non, c'est pas Foxicle, Fangalop. Avec ceux-là. Voilà, parce que c'est ceux qui sont les plus hauts numéros dans le Paldex. Paldex, pardon. Ça, à chaque fois, je fais l'erreur. Et genre Chris Bolt, lui. Lui. Et je me suis arrêté par là, là à peu près. 90. Du coup, Liline, je l'ai vue. Quoi? Ah oui, c'est encore une réserve. Réserve, mais beaucoup plus au nord. Ok, ok. De toute façon, ça va être ça pour tous les pals des dresseurs. Hein. Du coup, commençons par le commencement. On a des œufs. Faire ça 10 par 10. Alors, ouverture instant comme d'hab. Parce que dans tous les cas, j'aurais juste à faire. Faire 15 incubateurs de plus. Impulsive, vanité, maladroit, brave. Un Ragnarok. Ah. Alors, je sais pas si c'est worth it parce qu'il me faut du sprinter et il n'y a aucune stat sprinter sur les parents. Mais j'ai réussi à en faire un quand même. D'ailleurs, est-ce que je peux level up bientôt? Ouais. Féroce, impulsif. C'est pas mal. Pour première monture, tant qu'on n'a pas le sprinter, ça peut être ok. Impulsif, féroce. Ça me va. Ouais, ça me va. Donc, œuf gelé. Sibelix, ah c'est le boss 40. Impulsif, grossier, sérieux, lui il a beaucoup de trucs. Hein. Il a pas mal de trucs. Plus de vie parce que je me fais one shot là. Dégâts x5, tout ça. Celle donc. Ragnarok. Ensuite, on a 8 points. Je voulais les fusils. D'ailleurs, on va se faire ça un moment. Mobilier, tonneau. J'ai pas trop d'organes de congélation. Oh, on testera un petit peu tout de toute façon à la fin. Au mon métal. J'ai pas déjà un truc déjà. Je crois que j'en ai déjà un boosté. Mais qui remplace. Attends, qui remplace ça de toute façon. Du coup, c'est mort. Et après, on avait quoi? Armure. Ça va pas trop protéger du chaud-froid et tout. On va faire quand même. Ok, alors j'aurais peut-être dû remonter. Voir s'il n'y avait pas des trucs là. Arme de boîte. Oh, ça va aller. Peut-être hache et pioche. À un moment. Donc, œuf gelé. Oui, j'avais eu un truc. Je sais absolument pas ce que c'est. Et d'ailleurs, en fait... Donc hier j'ai fait la vidéo sur les modes là, j'ai eu deux shiny, pendant celle-ci, je sais pas où ils sont, dans l'ordre normalement, plus ou moins, ah non j'avais fait des trous en fait dans le, j'avais un mouton,
Non, pas un mouton, un poulet. Le deuxième, je l'ai pas eu parce que. Parce qu'il était loin, c'était chiant. Et sauf que après, j'en ai eu encore un. Qui était un Captivia, normalement. Attends, mais je suis complètement aveugle. Il faut se réveiller là. Pourquoi je les vois plus là? Captivia et poulet. Non? Il y a. Non? J'ai rêvé. Ah, Captivia. Ok. Mais passer le poulet. Ah, j'ai peut-être mis sur une base. Je sais pas. Attends, je vais aller voir un truc. Donc, Sibelix se tourne vers l'ennemi visé. Attaque avec une puissante compétence. Tissu de qualité. Alors, même pas tissu normal, tissu de qualité. Oh, ouais, par contre, ouais, c'est vrai qu'avec des stats comme ça. Mais il a de l'attaque. Du coup, c'est un glace. Ouais. À voir. Après, c'est un qu'on n'a pas quand même. C'est sympa. Est-ce qu'on peut avoir un 4 talents, tant qu'à faire. Il manquait chanceux, je crois. Féroce rentre dedans, c'est pas mal. Ah, il est pas mal. Grossier, impulsif, sérieux, rentre dedans. Alors lui, il a pas chanceux, par contre, il a toutes les stacks en attaque. 55. Ouais, parce qu'il y a un 10 et un 15. Ah non, pardon, sérieux, sérieux, je me suis trompé. C'est pas de l'attaque, sérieux. J'en ai plus. Ok, pour l'instant, un qu'on n'avait pas eu. Alors là, il y a encore du gelé. Et on va prendre les feux en même temps. De toute façon, c'est les mêmes. Ah, c'est le même. Bon, est-ce qu'on peut en avoir un 4 stats? Et après, il y a des énormes. Ça sera 3 stats max. Du coup, je devrais les cumuler. Si jamais je veux les faire se reproduire après. Bushi. Ah. Ah, pas terrible ça. Vas-y, on va prendre, c'est l'XP, mais. Oh putain, en plus, il est full boost. Chanceux féroce. Ah, il a tout, hein. Je sais pas si on peut l'utiliser derrière. Le faire se reproduire avec un truc. Et comme ça on expère un peu. Hein. Ha, c'est dommage que ce soit sur lui, mais on peut peut-être en faire un truc. Hein. Ouais, 75%. Il a que 51. Enfin, c'est déjà bien. Oh, j'en ai un à 9. J'en ai un à 100. Après, faut il faut qu'il ait l'attaque aussi en talent. Hein. J'en ai 2 à 100. En IV. Ouais. Le problème, c'est qu'en attaque, il a quoi? Il a 5%. Non, mais c'est terrible. Faut qu'il ait les deux trucs à fond. Ou presque. Alors, on a quoi? J'ai un coffre aussi avec plein d'œufs. Vas-y, on va prendre ça. C'est pas les mêmes, hein, ça. J'ai un coffre ici avec des trucs. En fait, ça faisait des petits œufs. Ou des trucs que j'avais. Genre, ça doit être les Ragnarok. Que j'avais un petit peu trouvé, du coup, je les ai mis là. Je voulais faire 5-5 à chaque fois. Donc. Qu'est-ce qu'on a? Sweeper. Oh, c'est terrible parce que là, il va mettre des sweepers en boucle. Par contre, le sweeper. Le sweeper est boosté, hein. Alors là. Sachant que j'ai fait reproduire un truc avec un sweepage, je sais plus pourquoi. Non, mais j'ai encore. Ah non. Non, soumis, il me semble que c'est pour la vitesse.
Ah, le sweeper. Attends, ils sont tous en sweeper là? Ah non, Wumpo. Ah! C'est la version glace du truc de plante que j'avais vu. Bon, il est pas dans les hauts numéros. J'imagine il est dans la réserve. Ah non, même pas, il est juste en nature. Gélation. 4 en transport. On n'a pas trop de glace, est-ce que ça vaudrait le coup? Si on en a un bon. De le jouer comme ça. A voir, à voir. Ouais. Pas terrible. Mais on pourra l'utiliser si besoin. Pour qu'il se reproduise. Attends, il a un truc aléatoire là? Attends, j'avais pas vu mais... Ah, c'est parce qu'il a... Non, même pas, il est pas chanceux. Hein. Donc juste, ça vient d'un œuf, il a un truc aléatoire. Je savais pas. Je croyais que c'était que qu'il était chanceux. Ah ouais. Après, on peut les apprendre de toute façon, donc c'est pas grave. On a quoi là? On avait un sweeper. C'est pas lui. C'est lui. 75. Sweeper 75. Tu sais quoi? Les bons. Je vais les mettre par là. Qui avait lui. Ici, il n'y avait que 3. Ragnarok, il faudra qu'on voit. Parce que Ragnarok, c'est un peu différent. Tu sais quoi, on va faire les petits œufs là qui traînent. C'est des trucs que j'ai déjà normalement. C'est des trucs nuls. À moins que j'ai pas un truc classique. Ouais, genre ça là. J'ai vu que ça faisait des petits œufs, j'ai arrêté. Pour certains. Cinéram, ouais, ouais, rien de bien fou. Après c'est un peu d'XP quoi. Un sweeper encore là. Un Sibelix. Sibelix qui a 3 trucs quand même. Un Cinéram. Ok, ok, pour l'instant, ça va. Donc là, on a des énormes. C'est pas les mêmes. Il y a 5 différents. Mais... Enfin, il y a 2 différents au total. Mais je crois que ça va être un Mamoreste, non? Il n'y a pas que Mamoreste en plante haut niveau, mais... Ça se trouve, ça va être les mêmes que eux, là. Ah bah non, attends. Non, c'est des énormes, pardon. Attends, mais non, énorme, ça va être un truc de fou, en fait. Il y a moyen que ce soit le même, hein. Bushi, oh putain. Alors non, parce qu'il a sérieux. Lui il a sérieux, donc c'est pas bon. Par contre... pas mal hein. Je dis que ça fait plaisir de voir ça Bushi encore. Ah, tous les feux vont être des Bushi. Un peu siphon dedans. Alors, est-ce que ce serait du Mamoreste? Parce que ça va à peu près vers ces mobs là, non? Mossanda. Ah non, c'est encore en dessous. Ouais. Mossanda, il est où? Il est pas aussi bas. Ah si. Et il est loin, Bushi, quand même. Mossanda, je sais pas quoi en faire. Hein. C'est juste de l'XP là. Vas-y, on va passer la nuit et on va faire les énormes.
Develop. Plus d'endu. Non, je vais aller à 1005 en PV, je pense. Après, maintenant que mon armure peut tenir, en vrai, elle va pas se casser d'un coup. Peut-être ok, d'ailleurs, faut que je la répare. On avait quoi? Réfrigérateur. Ralentit la dégradation. Non, j'ai mieux pour ça. Plantation de laitue. Tissu de qualité. Ah, j'ai plus de points déjà. On peut aller dormir. Ah, oh, ça va, hein. Si tu prends le pal qui farme les tissus de qualité, ça se fait assez bien. Donc, énorme ici. Rien, rien, rien. Ok. On va essayer d'aller par là, c'est possible. Donc, normalement, il y a deux pales différents là-dedans. Oh, je l'ai déjà. Verdash. Je l'ai en boss, il me semble. Hein. Bon, rip. Après, Petalia. Ah. Sachant qu'elle est pas en vitesse de travail, là, elle est en full dégâts. C'est un rip. Par contre, Petalia est en énorme. Bizarre. Oh, tant pis. Hein. Pas forcément les utiliser, je pense. Après, un 4 talents pourrait être bien, quoi. Il en a un trop. NPNP. Donc, on a eu des trucs. Il faut que je lance d'ailleurs des montures. Hop. Donc, ce que je voulais utiliser surtout. D'ailleurs, attends, est-ce que je peux faire la selle? Métal, palladium. Oh, ça se fait. J'espère qu'ils ont farm. Un poil. J'ai mis des coffres à côté de chaque minerai. Parce que dans tous les cas, quand je fais cuire au four, ça prend dans tous les coffres. Du coup, ils n'ont pas à faire des dizaines d'allers-retours jusqu'ici. Là. C'est plus opti. Je suis en train de mourir là. J'ai vu du rouge. Alors attends, ça on pose. Ensuite, éclat. Ça, on relance. Nous voulons une selle. Oh, le lance-grenade Mossanda. Oh non, ça coûte des huiles. Tu sais qu'il y a des trucs que j'ai pas test. Genre ça. Après, ça met KO ton pengulé, quoi. Donc, Par contre, le petit lance-grenade. Ok. Donc ça avance. Ensuite, il me faut un Ragnarok, si possible boosté. Alors, féroce impulsif, masochiste, c'est quoi? Ah merde. Ah lui, il était bien enivé en plus, hein. Mais il se tape à moins 15%. Il est à 95 enivé. Lequel peut être propre? Lui,
95 en attaque, en IV. Que 4 en défense. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplacer ça. Ça. On va changer un peu. Du coup, celui-là qui est pas le meilleur, mais qui est quand même ok. Il faudra des Ragnarok avec de la vitesse de déplacement. Est-ce que je peux en faire avec des Ektir? Faut que je vois ça. Ah, j'ai pas la selle. Ok. Ah oui. Tu te fous de moi? Ils veulent pas. Ah si, putain. Oh, j'ai eu peur. Je le voyais faire des petits bonds là. Il est où? Ah. C'est quoi, j'ai canon à air? En même temps, j'ai pas de dégâts pour l'instant. Hein. Surtout qu'il y a une grosse diff. Ouais, ok, j'avoue, en vitesse par contre. Attends, mais j'ai juste envie de lui mettre un sprinter direct là. Il me faut du sprint. Ça change de fou, hein. Je pense que c'est x2. Facile. Alors, imaginons, parce que j'ai des gâteaux, donc tant qu'à faire. Alors, comment est-ce qu'on le fait exactement? Pourquoi j'ai plus mon site, là? D'accord, le site qui était en deuxième n'y est plus. Oh bah super ça. Oh, tant pis. Ragnarok. Non, en plus je m'en fous de ça. Je veux voir comment on le fait en tant que parent 1. Voilà. Alors Ragnarok en tant que... Non mais... Reverse, voilà. Ok, c'est bon. Ça se fait avec pas mal de trucs. Mais il me faut un Ektir pour avoir de la vitesse parce que je crois que j'ai pas de vitesse sur les autres. Hein. Ou sinon, il faut que je reparte de base d'un Chikipi. Ce qui est peut-être un peu relou. Parce que là, il me dit avec beaucoup de trucs, hein. À moins que j'ai du Anubis Speed. Non, c'est mort. J'ai pas ça. J'ai absolument pas ça. La plupart des trucs que j'ai, par contre, ça c'est bien. Comment est-ce que je peux faire? En fait, il faudrait que je parte d'un certain pal. Je pense que ce serait mieux de partir d'un Ektir. Et que derrière, je trouve... Attends, j'allume un autre onglet. Je trouve comment on fait. Il faudrait que j'ai un pal du coup qui soit similaire à ça. Alors il y en a plein mais... Genre par exemple là le Ektir... Ah non, en tant que parent par contre. Ektir. Parent 2. Mais parent 2 j'en sais rien moi. Justement je veux voir... Oh attends, pourquoi j'ai pas mon autre site là? Terrible. Je veux voir les combis de juste Ektir. J'ai pas le droit. Ah c'est bon, j'ai retrouvé mon site. Ah, ils ont peut-être changé d'icône ou un truc, je sais pas. Donc, Ektir. Ektir, nous avons beaucoup de trucs. Il faut que ce soit Relaxorus. Des trucs un peu haut niveau. Azurobé. Sauf qu'il me faut d'autres trucs que j'ai pas. Surfant. Ah! Surfant, je crois que je l'avais vu. Ok, on va peut-être partir sur un surfant en plus.
Ah si, ça se fait. Surfant Beacon, ça fait un Ragnarok. Et du coup, moi, je vais partir sur un Ektir plus. Plus, c'est où? Grisbolt. Ektir Grisbolt. Grisbolt qui est mal. Mon Ektir coursier. Oh, j'en ai plusieurs, mais. Dans celui que j'utilisais là. C'est bien. Ah ouais, mais il a tellement de talent. Plus il en a, moins c'est worse. Ah, dans tous les cas, j'ai pas de vif. Mais c'est pas grave. Donc il faudrait que j'ai un Ektir de base qui soit. Qui soit fort et rapide. Putain. Comment je fais un Ektir de base? Alors là, c'est vraiment. On part de la base base. Chikipi et Elisabi. Il me faut un Ektir force. Donc il me faut un Ektir Chikipi Elisabi. Ce qui veut dire que je prends mon poulet qui est là. Je le cumule. Avec une Elisabie. En espérant que ce soit le bon genre. Je sais pas où elle est. Elisabie, je crois que c'est le bon. Il suffit, frérot. Oh, y a un problème là. Putain, mais. Arrêtez! Ah, c'est bon. Ah, il y a le poulet qui est sur la plantation de blé là. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Quel problème. C'est pas le bon. On enlève. Il y avait quoi d'autre? Parce que j'ai que une Elisabeth, moi. Donc il y avait. Oh, il y a plein de trucs. Warsect. Warsect avec le Chikipi. Ou Quivern. Bon, ça va aller, Quivern. Warsect. Quivern. Est-ce que j'ai un Quivern rapide? J'ai un Quivern rentre dedans. C'est pas le bon genre, malheureusement. Ah, sinon, c'est pas grave, hein. Part sur un chef d'assaut, un truc comme ça. Allez hop. Ok. Et tout ça. Donc grosso modo, Chikipi Quivern vont donner des Ektir qui vont avoir des dégâts. Je vais cumuler Ektir dégâts plus Ektir vitesse de déplacement que j'ai déjà pour faire un Ektir vitesse de déplacement dégâts. Puis après, je cumulerai Ektir plus. Ah, faudrait que je m'en souvienne par contre. Oh l'enfer. Déjà, on va faire ça, tu sais quoi. Puis après, on verra. Ektir plus un truc pour faire un serpent. Serpent-dent. Surfant, ouais, c'est pareil. Et après, je fais le Ragnarok boosté. Ça va prendre quelques générations. Sur ce. Pendant que ça se fait. J'ai quoi? Quelques sphères. Un peu de munitions. On va se refaire du bas de cam. Ah, j'ai ça maintenant. Un poil de bas de gamme, ça serait pas mal. Tiens, y a pas un vrai Anubis là qui veut. Ils sont où? Et ça, c'est terrible. Hein. Il irait tellement plus vite. Ah, mais en plus, il va rapper, il va se mettre dans le ranch, ça va virer un autre. C'est l'enfer. Vas-y, on va aider à build. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chasser. Il me faut des huiles de palme de qualité. Il me faut des lingots de fer. Et
une fois que ce sera bon. Ah oui, il me faudrait un autre pal au fait. Deux. Attends. Ah, c'est Minecraft. Ouais, en fait, il m'en faut deux de plus. Qu'est-ce qu'on peut jouer? On a quoi? On a terre, feu, feu. Prochain dresseur, j'imagine il est feu. Mais peut-être pas. Il peut être quoi? C'est une zone volcanique. Après, ça veut rien dire. Hein. C'est celle, mais... L'autre, c'était un sommet enneigé et elle était plante. Plantée haut. C'est où? Zone volcanique. Il peut être feu. Dragon. Dark. Peut-être neutre vite fait. Sol. Donc dans le meilleur des cas, il me faudrait eau. Grasse. Ice, c'est risqué quand même. Eau, grasse. Dark. Oh, je veux bien. Attends, mais grâce aussi, c'est ça craint le feu en fait. Mais si. Ah, du coup, c'est risqué aussi ça. Donc, plutôt haut. Un truc haut. Potentiellement dark. Haut dark, ça existe. Ah non. Non, pas eux. Ça, j'ai rien de toute façon. J'ai pas grand chose en eau. Est-ce que je peux pas capturer un pal eau boss? J'ai pas ça là. Genre lui là. Par exemple. Hein. Tant qu'à faire. Il me faut des meilleures sphères. J'en ai 17 comme ça. Sauf qu'il me faut du ciment. Ou plutôt on se fait des autres sphères. Sauf qu'il me faut du lingot de fer. Nécessaire pour le gun. Ouais. Attends, il est au que niveau 1. Tu sais quoi, on va prendre lui pour l'instant. Il serait utile. C'est quoi là? Ah. Et pourquoi pas 37. C'est vrai que c'est big 37 hein. Faire par niveau. J'ai un Mamorest 38. Ah, j'ai mon Nox, hein. Attends, je vais reprendre mon Nox, en fait. J'ai looté pas mal, en plus. Ok. J'ai peut-être pas assez de sphères, mais on va essayer de capturer le pal haut, parce que j'en ai pas vraiment. Ok, le premier Chikipi. Chikipi? Ektir, le premier Ektir. Donc il lui faut coursier, sprinter et deux autres talents attaque. Non, qu'est-ce que je raconte? Putain, mais il est parfait lui. Coursier, sprinter, je les ai déjà. Ah, du coup, mais il est plus que parfait même. Hein. Il est trop bien lui. Trié par par type. C'était lui. Il me semble que c'est lui. Il a deux trucs attaque plus lui. Non, pardon, ça c'est vitesse. Bon, il a deux trucs attaque ici. Ce qui suffira, je pense. C'est quoi le meilleur truc attaque déjà?
assez féroce. 20%. Non, c'est impulsif au final. 100% impulsif. Du coup, on est pas mal. Même s'il a sérieux. Donc, lui va là. Ensuite, ça. Et ça dégage. On va cumuler lui avec mon niveau 30. Je pense. Je peux. Avec un sprinter coursier, de toute façon. Ils sont où? Coursier féroce. Coursier sprinter. Est-ce que je peux? Je peux pas. Coursier féroce, motivateur. Je dois refaire un coursier sprinter, je pense. Coursier. Un sprinter sans froid. Prendre un coursier comme ça. Ok. Donc on va faire ça et il faudrait qu'ils aient qu'ils soient femelles, si possible. En fait, il faut un truc comme ça, mais femelle. Ou un comme ça, mais mâle, c'est vrai, ça marche aussi. Dans l'autre. Alors, pour l'instant. Ensuite, mâle. Non, attends. C'est quoi lui? C'est un coursier sprinter. Je crois que c'est lui. Ok. On va se refaire un coursier sprinter. Le dégât est prêt. Plus qu'à attendre. Donc, je pense qu'on l'aura notre monture en fin de stream. J'ai 96 sphères comme ça, 17 comme ça. On va dire que ça va passer. Il faut que je répare un petit peu. Notamment ça. Textile. On va aller capturer un petit mob. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrose? Ils ont beaucoup à faire là. On va virer ça. On va mettre. Attends, j'avais eu un pal, il me semble, qui arrosait bien il n'y a pas longtemps. Qui arrosait très bien même. Il était en 4. C'était quoi? J'ai rêvé. J'en ai pas un 4. Au pire. Hein. Je sais pas, je croyais. Ouais, mais non. Bon, tant pis. Ouais. Il faut ça, là. Donc on va réparer, j'espère que ça va pas se casser en 2-2. Sinon je dois mettre x10 sur le mode. Faut tant qu'à faire. Ça y a pas trop besoin. Donc on a des nox, des pals qui sont un peu faibles malheureusement. On a du feu sachant que ça va être terrible ça aussi. Mais je pense qu'on va tester. Bon, j'avoue le niveau 7 là. On va tester ça. Donc sud-est. Est-ce que c'est une zone qui agresse ça? Voilà.
Il y a un lac, ça. Alors, surfant, ça agresse. Eh, c'est vrai que j'ai complètement lâché les donjons, hein, après le début. J'en ai pas refait. Du coup, il y a un boss ici. Tu ne dis pas de bêtises. Ah, ok. Ok. Il est... Attends, il est quoi? Il est haut et dragon. Alors déjà DSL, mais toi... Ouf, ok, ça commence bien. Je vais manger, ok. Donc, on va changer. On va prendre lui. Non mais par contre ça c'est de la triche. Et il faut te ramener frérot. Il m'attaque de là. Comment faire? Sachant qu'il y a lui qui va peut-être me saouler. Il a bien des attaques à distance mon frérot là. Faut que j'aille au milieu? Attends, est-ce qu'il y a un monde où je peux... Non, 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 non. Oh, terrible ce qui vient de se passer. Il y a un monde où je peux le ramener. Ah, tu peux pas le bourrer comme ça de loin, là. Ah, ok. Ok, je pense que c'est pas mal, là. Il faut y aller. Par chance, il y a un arbre, mais. Esquive. Il y va? Oh putain, non mais. A l'aide! Il joue pas! Et t'as des sorts, frérot! Il a des sorts à distance quand même! Ah, c'est bon, il attaque! 25. Comment mes pales se font défoncer par contre? Quand je n'ai aucun dégât. Ils se font littéralement two shot. Ouais. Non mais lui ça va être encore pire la différence. Ok. Je pense qu'on va cancel là. Je fais du 3. Il me fait du un quart life sur mes pales. Putain. Et mon pal qui décide d'attaquer comme ça gratuitement. Ah bah super. Ah c'est cool. Elle enfuit. Elle va se faire aggro. Ouais c'est super. C'est cool. Encore. Ouais. Mauvaise idée. Bon. Pas beaucoup de dégâts. Donc, il me faut une statue quelque part à l'est, potentiellement. On va capturer un peu. Il prend rien. Par contre, on va changer de sphère. Bon, du coup on a deux pales en moins. Moi qui pensais que prendre un électrique ça allait faire quelque chose. Terrible. Est-ce que j'ai autre chose? En fait il me faut un haut si possible. Un haut qualitatif. Oh c'est ça ta statue?
Ouais. Au sud, peut-être. J'avais juste dû retourner à celle d'avant. Après, il y a des trucs là. Pas de statue en vue. Attends, c'est où sur la map par rapport à ça? C'est à l'ouest. J'ai hâte d'avoir une monture volante, très performante. Et voilà, j'en suis réduit. Aïe aïe. Déjà peut-être crafter le gun, serait bien. Alors on essaie de faire une team pour le troisième. C'est sûr que je sais même pas s'il est feu, hein. C'est peut-être un bait. Ouais. Niveau 10. En vrai, niveau 10. Il enchaîne bien lui. Attends, tu sais quoi au pire? C'est pas le joueur là. DSL mais... Mon arbalète fait vraiment pas de dégâts. Hein. Ah bordel. Après j'ai l'impression que mes flèches des fois passent à travers. Ah c'est bon. Quand je vise les plumes. Ouais, ça va. Hein. Ah, attends, laisse-moi juste. Voilà. C'est pas le jour. Bon. L'ouest. Tiens. Full ouest, à peu près. Statue là-bas. On peut peut-être y aller en une fois, pas trop. Hein. Ouais. Il y a un ox. Pas intéressant. Ah, il faut... Ouais, il me les faut ceux-là. C'est quoi Anubis? Anubis devrait pas être trop fort. Juste un petit coup fort. Problème. Il me faut... Après, par chance, il y en a pas mal ici. Je pense que ça va aller faire rip-hop. Faut au moins que j'en capture 4. Tiens, Ribuni. Ça, c'est gratuit. Attends, merde. On va se faire. Bon, 63%. Ah, 3 fois 63. Ouais, stylé. 4 fois 63. Let's go. 5 fois 63. Non, mais c'est bon. Y'a un problème là. Ok. Bon, imaginons. Ils étaient un peu faibles pour le Anubis. Arrête de bouger. Ok, c'est bon. Ça suffira, hein. Merde.
Squall. Il a plus envie. Il va falloir plus de sphères, je crois. Et normalement, à peine 20, la deuxième, ça passe encore. Hein. Normalement. Ah. Combien de 63-70% là, j'ai raté là. Commence bien ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, sphère jaune, 74. Ça c'est bon. Ok. Ah, c'est dommage de claquer des jaunes sur un niveau 20 quoi. Quand? Faire passer la nuit. Ah oui, c'est vrai. Il y a un problème. J'ai des frises là. On avait Ektir si possible. Ektir un peu boost. Non. Sprinter tout court. Pas terrible.